La situation est devenue dangereuse. Les gens devenaient complètement fous. Il n'y avait quasiment plus de sans-chapeau. Les derniers étaient chassés, hors des villes. Ils disaient que c'était peut-être contagieux. Alors les gens ont commencé à avoir peur. D'abord pour eux, et pour leurs enfants. Il a eu peur pour toi. Ça devenait difficile de te cacher. Et il a fini par accepter de porter un chapeau, comme tout le monde. Il est resté comme ça, coincé dans la montagne, avec son chapeau ridicule. Non, tu mens! Mon père n'aurait jamais fait ça! Et pourtant, c'est pour toi qu'il l'a fait.